Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Au fond de la salle, c'est bon? Ok, parfait. Du coup, je me présente, je m'appelle Angelin Nzakasu-Boz, et donc je vais vous présenter un outil de la boîte dans laquelle je travaille, qui s'appelle QuarksLab, dans lequel je travaille dans la team Reverse Engineer. Donc je vais vous montrer un outil de Reverse. Où am I, c'est fait. Where do I work? Je travaille du coup à QuarksLab. Donc c'est une boîte de sécu qui a été créée en 2011 par Fred Reynal, qui est un doctorant en stéganographie, si je ne me trompe pas. Que fais-je? Allô? Ah voilà. Je suis dans la team Reverse. Je travaille également avec la team Obfuscation. Donc globalement, tous les jours, notre travail, c'est de développer des outils pour analyser des binaires qui sont protégés. Donc on travaille de pair avec la team Obfuscation parce que c'est intéressant d'avoir également des outils d'obfuscation, d'avoir des samples dans la boîte et du coup de faire avancer différents outils en parallèle. Donc tout d'abord, je vais commencer par définir qu'est-ce que c'est que le reverse éventuellement pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Donc le but, c'est globalement d'analyser un système, d'analyser quelque chose qui a été conçu. Là notamment, ce sont des binaires. Donc d'essayer de comprendre les entrées et les sorties que ça va prendre, et du coup sortir, et le travail qui va être effectué là-dessus. Donc le but en fait, c'est de prendre la grosse boîte noire et d'essayer de comprendre quel algorithme a été implémenté à l'intérieur, quels sont les internals, afin justement de déterminer le sens de ce programme. Donc pourquoi utiliser justement du reverse? Déjà par exemple pour analyser des goodware, donc globalement des programmes bienveillants, si je puis dire, et de pouvoir du coup analyser un peu les systèmes de sécurité qui sont mis en place dessus, pour éviter justement par exemple le reverse je sais pas, d'un système qui serait propriétaire, d'un programme qui est propriétaire, et du coup de craquer ce programme-là. Ensuite, de l'analyse de malware, déjà pour éventuellement identifier ces malwares plus facilement, parce que bon, globalement, il y a, pour vous la faire courte, il y a plusieurs manières de bloquer cette identification, ce qui fait qu'on se retrouve avec une machine qui est totalement verrouillée assez régulièrement, si jamais vous êtes sujet à pas mal d'attaques ou de téléchargements. Alors, quel est l'impact financier? Pour faire un petit rappel, du coup, pour expliciter un petit peu quels sont les enjeux, donc c'est quand même de l'argent derrière. Par exemple, il y a une crise sur les ransomware avec plus d'un milliard qui a été déboursé. Donc le principe d'un ransomware, c'est OK, je vais chiffrer votre machine, et pour la déchiffrer, va falloir que vous me payiez. Donc ensuite, il y a eu l'attaque du Bangladesh, donc qui a été faite par des hackers, globalement des banques qui ont été vérolées. Donc par des virus dont ils n'arrivaient pas à déterminer le type, donc ils n'arrivaient pas à classifier l'origine. Du coup, ça pose des soucis. Donc c'est là où l'intérêt est de reverse, justement, autant les goodware que les malware. Du coup, je vais vous présenter l'outil Medusa. Medusa, qu'est-ce que c'est? C'est un framework pour analyser des binaires. Donc il y a un désassembleur dedans. Il y a également de la sémantique, de l'émulation qui a été ajoutée récemment et de l'exécution symbolique. Donc je vais expliciter un peu plus tard ce que c'est. Notamment, j'ai travaillé sur la partie principalement émulation et exécution symbolique. Donc un petit schéma du design, on peut voir que bon, on part d'un exécutable qu'on va donner à Medusa. On va avoir des loaders qui vont charger du coup le binaire de différentes architectures, notamment PE pour Windows, ELF pour Linux. On va avoir du coup une base d'architecture qu'on peut voir tout en haut, avec les architectures de processeurs qui sont supportées. On va avoir le corps qui globalement va faire l'assemblage de tout ça et l'interface pour faire, pour appliquer toute l'intelligence. On va avoir de la database. Ce qu'on essaye de faire en ce moment globalement, c'est essayer de faire du reverse collaboratif. Donc imaginons, je suis en train de reverse mon binaire. D'accord, j'ai une certaine vue, j'ai fait certaines actions, et je peux pousser ça sur la database et un de mes camarades qui est totalement ailleurs, je ne sais où, peut éventuellement y accéder et justement dire ah ok, là il y a une notification parce que il a trouvé quelque chose d'intéressant, boum, c'est parti, on synchronise et hop. Donc on est en train de travailler là-dessus en ce moment.
Alors on a des passes de simplification, on a des passes de constant folding pour globalement faire des calculs arithmétiques. On a des passes de symbolique exécution, donc je vais expliciter un peu plus l'exécution symbolique plus tard. On a un émulateur, donc globalement un émulateur, ça va nous permettre de simuler le fonctionnement d'une machine pour lancer un programme, comme si c'était en natif. Et on a des analyseurs, donc le désassembleur et le désassemblage symbolique également. Donc l'émulateur, qu'est-ce que c'est ? Bah, du coup, nous, on va émuler en fait globalement le CPU, donc on va émuler des instructions, ce qui est le cas d'ailleurs de la plupart des émulateurs. Et en plus de ça, globalement, on va ajouter l'émulation de la mémoire ainsi que de l'OS. Pourquoi ? Parce que notre but, c'était pas juste d'émuler un CPU, c'était vraiment d'étudier un binaire dans son environnement. Et donc pour ça, on avait besoin d'émuler sa mémoire pour voir au final les différentes actions de lecture et d'écriture qui sont effectuées en mémoire. Mais également au niveau de l'OS, pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des interactions entre notre binaire et l'OS, via des API par exemple, et ça nous intéresse de suivre tout cela. Donc on a également émulé cela. Donc, petite coupure. donc hop. Alors pourquoi de l'émulation ? Bah, ça nous permet d'avoir un contrôle sur la cible, et du coup de surveiller, de monitorer le contexte, notamment sur le management de la mémoire, donc sur les actions qui sont effectuées en mémoire, sur les API et autres. Alors, on a utilisé du Python, globalement on a un binding Python C++ qui nous permet du coup de modifier à la volée et de suivre à la trace pendant l'exécution, donc ça c'est super intéressant. Ensuite, on va parler un petit peu de sémantique. Comment est-ce qu'on a implémenté la sémantique du coup ? Parce que pour émuler le CPU et ses différentes interactions, et ben c'est intéressant de réfléchir sur la sémantique. Globalement, on a utilisé du YAML, donc qui nous a permis en gros de définir une grammaire pour notre sémantique. Et associé à cela, nous avons un générateur, donc qui va nous générer du code C++ avec les opcodes et autres qui sont associés en Python. Alors globalement, on a choisi YAML parce que du coup, c'était plutôt facile à parser, notamment avec Python derrière, quoi. On ne va pas faire le générateur en C++. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un YAML ? Globalement, on va voir d'abord un opcode, un mnémonique, par exemple, pour l'opération add, une addition, les opérandes pour connaître le nombre d'opérandes que ça va prendre, ainsi que les différents flags qui peuvent ou non être update lors de cette opération. Et du coup, derrière, on va avoir un sémantique add qui va être wrappé par notre ensure, qui va déterminer du coup le comportement qu'on va avoir vis-à-vis de cette sémantique. Alors, comment ça marche ? Du coup, je vais vous faire une petite démonstration. Pour la démonstration, je vais montrer un petit script en fait qu'on a écrit en Python pour tout simplement émuler le binaire LS. Bon, il y avait des choses peut-être un peu plus intéressantes, mais que j'ai techniquement pas le droit de montrer, donc aujourd'hui ce sera LS. Donc je ne sais pas si éventuellement il y a quelque chose pour tenir le micro, si je peux. Ok, d'accord. Bah, je vais me débrouiller. Ah. Ah, merci, c'est super sympa. J'ai toujours rêvé d'en avoir un et j'en avais jamais eu jusque là. Merci. Alors, du coup, je vais essayer quand même de m'adapter également pour pas trop t'embêter. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours aussi bien. Donc, globalement, on va commencer par le step 1 parce qu'il y a plutôt pas mal de lignes de code. Donc au final, non, je peux peut-être tenir. On va voir. Donc tout d'abord, on commence par le loading en fait de l'exécutable, comme on a dit tout à l'heure. Donc là, on va initialiser globalement des paramètres. Donc on va avoir l'execpass qui sera le pass du binaire qu'on va prendre en paramètre, dbpass qui sera au final la database associée. Donc voilà, ensuite ce qu'on va faire c'est que on va du coup utiliser la classe core. On va instancier un Medusa.
on va ouvrir l'exécutable. Et à partir de là, on va l'associer au final avec ce qu'on appelle un core document où on va avoir des informations sur globalement le contexte d'exécution, donc avec la mémoire, les registres associés et autres. Donc on a une granularité notamment sur la mémoire, sur les memory cells et aussi les memory area. Globalement, une memory cell, c'est une petite cellule de mémoire. Une memory area, c'est constitué de memory cells. Donc on va voir le step 3 ensuite. Donc globalement on va initialiser, donc avec le pass, on va set notre émulateur, on va lui dire ok, bah là ce qu'on va faire c'est qu'on va interpréter. Hop. Du coup, en arrière. Ensuite, on va du coup avoir des actions qui seront faites sur une instruction. Ok, qu'est-ce qu'on fait quand on tombe sur une instruction? Bah, on va le désassembler. Du coup. C'est ce qu'on peut... Ah, parfait. Très bien. Du coup, c'est ce qu'on peut voir tout simplement ici. Donc j'ai mon instruction, je vais appeler le désassembleur, enfin, ce qui me permet de désassembler l'instruction courante en lui passant bien sûr le CPU et la mémoire, donc pour avoir le contexte derrière. Et derrière, je vais formater ça sur des cellules. Alors, ensuite... Ensuite, bah, du coup, le point d'entrée de mon programme, bah, je vais avoir le underscore, underscore, libstart, underscore, main. Du coup, bah, là, en théorie, c'est censé casser. Pourquoi ? Parce que je vais avoir une interaction donc, avec mon système. Bah, du coup, c'est là où on va utiliser nos helpers sur des hooks d'API. Donc globalement, on va définir une fonction Python qui sera un on libc start main, dans lequel on va passer donc, le CPU, la mémoire et l'adresse en paramètres. Et donc avec tout simplement des fonctions de l'API du binding Python qu'on a, on va utiliser core et donc sur la section, enfin sur le module exécutable, et on va récupérer tout simplement les paramètres de la fonction 1 à 1. Et du coup, là on a un petit appel à print pour du coup afficher leur valeur. Pourquoi ? Parce que notre but c'est quand même de générer une trace à la, derrière pour vraiment visualiser ce qui se passe derrière, quoi. Ensuite, on a également la gestion du memory allocator. Donc, par exemple, bon, je vais faire un appel à un malloc. Bah, du coup, je peux avoir une allocation mémoire sur un Windows, je peux avoir une allocation mémoire sur un Linux. Très bien. Bah, nous, on a un wrapper, du coup, on a un hook de cette fonction qui nous permet du coup, de définir un comportement qui, là, est très basique, de manière à éventuellement être compatible avec realloc, free et autres. Ensuite, on a également la gestion de la mémoire. Donc, globalement, on va avoir des stack cookies. On va avoir des valeurs, notamment... je ne sais pas s'il est juste là. Alors, il faut juste que je le retrouve. Voilà. Du coup... Excusez-moi. C'est juste... Ah oui, voilà. C'est juste au-dessus. Donc, voilà. Donc, du coup, on utilise en fait tout simplement une valeur d'un byte magique qui s'appelle FA, qui nous sert à initialiser notre mémoire et qui, du coup, ben, on peut très simplement grepper à l'intérieur de notre trace FAFA si jamais il y a un souci de ce côté-là. Donc, on a écrit globalement des magic numbers de manière à très facilement les greper à l'intérieur de la masse de log qu'on va avoir derrière. Donc voilà. Et à la fin, du coup, on va avoir nos hooks imported function, donc pour bind en fait tout simplement notre symbole avec notre fonction en Python derrière. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne quand on l'exécute. Hop. Je passe en paramètre mon binaire ls. Boom. D'accord, ok. Je vais peut-être modifier quelque chose. Ah, pardon, je me suis trompé de script.
Ah, c'est mieux avec le bon script. Du coup, c'est parti. Donc, ça met un peu de temps parce que c'est quand même de l'émulation. Donc, c'est l'un des points négatifs. Étant donné qu'on émule absolument tout, ben, c'est un peu lent. Comment? Oui, aussi. Mais pour une exécution, enfin même sans l'affichage, pour une exécution normale de LS, c'est quand même assez lent. Donc là, ça met un peu de temps, hein, le temps que ça affiche tout. Donc globalement, dans ces traces, on va voir les différents appels aux fonctions de l'API du système. On va voir également les actions qui sont faites en mémoire. Donc là, voilà, on a le résultat. Donc c'est bien le LS en fait du répertoire où je me situe. Alors là, bon, je vous le montre sous Linux, sous Windows ça marche aussi. Donc il n'y a rien besoin de modifier. Et donc si on remonte un peu pour avoir un aperçu des traces, ça ressemble à quelques traceurs qu'on a sous Linux. Donc voilà, ça a été implémenté après pas mal de travail de la part de l'équipe. Donc notamment grâce à Whisk, GG et une partie de moi. Et donc voilà, c'est tout pour l'émulation. Du coup, je vais passer globalement à l'exécution symbolique. Pof. Donc avant de passer à l'exécution symbolique, je vais parler un petit peu d'obfuscation. Pourquoi? Parce que bon, l'exemple que je vais montrer... Ce sera donc basé sur de l'obfuscation. L'obfuscation, le but, c'est globalement de prendre quelque chose qui a du sens, okay, qui a un certain formalisme, qui a du coup une certaine forme, et de modifier la forme pour avoir le même sens derrière, mais rendre cette forme totalement imbitable pour la personne qui va essayer de lire, en fait. Donc, globalement, c'est ça de l'obfuscation. Donc, l'exécution symbolique, qu'est-ce que c'est ? Donc l'exécution symbolique globalement, c'est on a des actions qui sont concrètes. Par exemple, je vais avoir une variable x, okay, qui est égale à, je sais pas moi, 3 plus y, sachant qu'au-dessus, j'écris y est égal à 2. Donc là, j'ai une valeur concrète sur mon y, je peux faire mon calcul. L'exécution symbolique, le but, c'est d'exprimer ces actions-là, d'exprimer le contexte de manière totalement symbolique. Donc je ne vais pas attribuer de valeur à mon y. Globalement. Donc, quelques types d'obfuscation. Donc, on va voir ce qu'on appelle du constant unfolding. Donc, je vais prendre par exemple une action arithmétique. Je vais avoir mon int x est égal à 1 plus 3. Donc, mon compilo va simplifier en fait le calcul et va donner directement le résultat. Bah, le but en fait du constant unfolding, c'est de faire l'inverse. C'est de prendre une constante numérique et de la casser en une opération qui du coup est plus complexe. On a des patterns d'obfuscation. Tout simplement, par exemple, je vais avoir un simple push en assembleur d'un registre. Et bah, au lieu d'avoir juste une ligne d'un push en assembleur, je vais mettre plusieurs instructions qui vont avoir l'effet de faire tout simplement ce push. Donc je vais rendre ce code au final moins explicite. Donc là par exemple, c'est un petit exemple de constant unfolding. Donc est-ce que éventuellement quelqu'un pourrait me dire combien est-ce que ça fait? On va re-signer. Non? Ok, parfait. Bah, du coup on va utiliser le moteur d'exécution symbolique afin d'obtenir le résultat. Hop. Donc, alors là c'est un peu plus compliqué à voir. Donc globalement là je vais avoir en effet mon push, donc en assembleur. Je vais avoir mon push de ma constante numérique de tout à l'heure. Ensuite un peu plus bas je vais avoir globalement un add de DWAR de SP et de ma deuxième constante numérique. Tout simplement pour additionner les deux valeurs. Donc c'est exactement la même chose que ce qu'on a eu tout à l'heure. C'est x est égal à quelque chose plus quelque chose. Et du coup, un peu plus bas, on va descendre. Et du coup, on voit par exemple qu'on a un track donc, qui nous permet au final d'avoir la valeur des informations sur notre registre ESP. Et on voit qu'il est égal à ESP moins 4, 0x4. Tout simplement parce que là, on est en 32 bits,
Donc, globalement, quand je vais faire un push, je vais décrémenter ma stack de 4. Donc, en effet, c'est cohérent. Ensuite, ici, je vais avoir une assignation de la valeur, donc qui est en fait du premier push que je vais avoir à ma stack qui a été décrémentée. Donc, OK, c'est un push. Tout va bien. Et là, d'un coup, boum, je tombe sur un ESP est égal à 0. Donc, j'assigne 0 à ESP. Pourquoi ? Parce que derrière, en fait, il a foldé tout simplement l'addition entre la valeur que j'ai push, donc qui se trouve ici, et la valeur avec laquelle je add ici. Et du coup, en fait, le résultat de cette addition, c'est tout simplement 0. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un push 0, en fait. Donc ça, c'était un exemple globalement d'obfuscation assez triviale sur du unfolding. Ensuite, petite démo pour le pattern d'obfuscation, donc des trucs un peu plus, enfin, qui sont pas sur des constantes numériques, quoi. Donc je vais voir mon premier pattern, je vais vous l'afficher globalement. Donc c'est un push AX, move AX ESP, un exchange de ESP qui a été déréférencé avec EAX, puis un pop ESP, tout simplement. Donc là, on va avoir du coup l'évolution de notre contexte au fur et à mesure des opérations, enfin des instructions qui sont effectuées. Donc on va avoir notre push AX, donc en effet on a bien notre décrémentation de la stack. Ensuite, derrière, on va avoir un move ESP. Donc on va voir globalement le contexte qui va évoluer avec notre ESP qui est toujours égal à ESP, donc une valeur symbolique moins 4. Et ensuite, derrière, on va avoir notre ESP moins 4, donc qui est l'état de notre stack actuel, qui est assigné à EAX. Ensuite, on va exchange les deux. Et ensuite, on va pop. Et du coup, ça, tout simplement, à quoi est-ce que c'est égal ? Non, personne ? Et ben, c'est tout simplement égal à un sub en fait, de ESP4. Tout simplement. Donc, chose que l'on peut voir du coup ici, directement, ESP est égal à ESP-4. Du coup. Un second pattern. Donc ça ressemble pas mal à ce qu'on a eu tout à l'heure, sauf que derrière je vais avoir globalement un move ECX. Du coup, qu'est-ce que ça va faire ? Donc là globalement il y a des choses qui nous semblent familières par rapport à ce qu'on a exécuté auparavant. Donc on va toujours traquer ce qui se passe, donc la décrémentation de la stack, l'assignation de la valeur sur EAX, etc., etc. Donc on va regarder directement à la fin ce qui nous intéresse. Et ben là, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va push tout simplement un registre. C'est tout ce qu'on va faire. Donc tout à l'heure, on avait notre pattern qui se résumait en fait à une ligne. Donc tout le code qu'on avait tout à l'heure. Donc par exemple, boom. Tout ce code-là, au final, quand on lit, c'est un peu imbitable par rapport au réel sens que ça a derrière. Parce que bon, il y a plein de lignes qui servent à rien, il y a plein d'opérations qui servent à rien, mis à part juste essayer de perdre la personne qui essaye de lire ce code. Et au final, ça se résume à une seule ligne. Donc globalement, c'est l'une des utilisations qu'on va avoir sur de l'exécution symbolique. Ça va être pour principalement simplifier en fait des expressions. Alors, avant les questions, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'exécution symbolique, souvent derrière, on va également embarquer ce qu'on appelle un solver de contraintes. Pourquoi ? Parce que, au final, toutes ces expressions symboliques sont des équations. Des équations, on peut les résoudre. Donc, un solver de contraintes, globalement, ça va essayer de résoudre des équations.
Donc dans des cas où on va essayer d'obfusquer le flux d'exécution d'un programme, donc on va essayer de perdre au final la personne qui essaye de suivre avec globalement plein de sauts qui servent à rien. C'est là où c'est intéressant d'avoir un solveur de contraintes pour essayer justement d'analyser ce flux d'exécution. Actuellement, il n'y en a pas dans Medusa. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est relativement overkill d'avoir un solveur de contraintes. C'est quand même quelque chose d'assez particulier. Après, il y a tout de même des personnes qui ont également ce besoin, notamment quand on va faire face à du code qui est obfusqué avec ce qu'on appelle des MBA. Donc ce sont des mixed boolean arithmétiques. Donc globalement, je vais mélanger des opérations qui sont logiques, des opérations booléennes, avec des opérations arithmétiques. Derrière, le code qui va être généré va être absolument immonde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérêt, c'est que pour la personne qui va écrire ce MBA, c'est qu'il pourra prédire la valeur en sortie de cette équation. Par contre, pour la personne qui va essayer d'attaquer, ce sera tellement imbitable qu'il va se retrouver face à une équation où il va se dire « mais qu'est-ce qui se passe ? Quel est le but ?» quoi. Du coup, actuellement, il y a des obfuscations assez fortes en fait, sur des MBA qui montent avec, par exemple, l'intégration de polynômes à des degrés extrêmement élevés. Donc ça va de 2 à 6, voire peut-être plus. Et du coup, forcément, pour un solveur de contraintes, c'est un peu compliqué également derrière parce que c'est une grosse machine. Et du coup, ça prend pas mal de temps. Donc ce qui serait intéressant, on peut se dire, c'est ok, peut-être que l'intérêt ce serait éventuellement de paralléliser un solveur de contraintes, par exemple Z3. Ok, bah, actuellement ça n'est pas encore fait, en tout cas à ma connaissance, c'est difficile à paralléliser. Du coup la question qu'on peut tous se poser c'est, est-ce qu'il n'y aurait pas éventuellement autre chose qui permettrait de résoudre ces différentes contraintes, de résoudre ces différentes équations et qui serait parallélisable? Du coup je vous laisse sur ce suspense. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Globalement. Oui? Je crois que je l'allume. Allô? Sur l'émulation que tu fais, ouais. Donc, si j'ai bien compris, tu recodes des fonctions de l'API. Comment ? Les fonctions de l'API, ouais. Tu les recodes. Je recode le comportement en Python, ouais. Le comportement. Qu'est-ce qui te garantit que tu as exactement le même comportement et que finalement que le sample que tu analyses ne va pas utiliser des corner cases de certaines API, en fait ? Alors ça, pour l'instant, c'est déchargé en fait sur globalement le dev. Du coup, c'est à toi de t'assurer en fait que globalement, par rapport à ce que fait la fonction, ce qui est effectué derrière est correct. D'accord. J'imagine qu'après un niveau en dessous, il y a exactement les mêmes contraintes au niveau du CPU. Il y a des corner cases de CPU où des fois, il fait pas exactement ce qu'on suppose qu'il doit faire. Tout à fait. Par exemple, ça fait penser à une petite anecdote. De mon maître de stage qui justement codait la sémantique donc par rapport au CPU, ce dont tu parlais, et qui s'est rendu compte que notamment pour de l'ARM, la documentation n'était pas très fidèle sur certains points à ce qui se faisait réellement derrière. Du coup ça se travaille, donc ils ont reverse, ils ont bossé là-dessus et voilà, globalement ensuite c'est patché. Bien sûr tout cela n'est pas parfait, hein, donc en effet des cas où ça marche pas très bien, on tombe dessus tous les jours parce que actuellement en tout cas on n'a pas la tête pour penser à absolument tous les cas possibles et imaginables, donc on a des besoins bien spécifiques. C'est pour ça que j'exprimais ça vraiment sous forme pragmatique, c'est que c'est né en fait d'un besoin. Il y a des choses qui ont été commencées à développer pour au final automatiser certaines tâches qui étaient faites totalement à la main auparavant et faciliter le travail des reverseurs, quoi. Et du coup, au fur et à mesure, on intègre des nouvelles features peu à peu. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'en ai peut-être une autre. L'autre outil que je connais qui ressemble un petit peu, si je ne me trompe pas, c'est Miasm. Comment vos points forts, vos points faibles par rapport à cet outil, si vous le connaissez ? Alors, je ne peux pas trop parler du coup de la diff sur les deux, parce que du coup, c'est lié à des cas d'utilisation qu'on a en interne. Okay. Mais globalement, c'est notamment sur les expressions symboliques où Miasm, c'était
pas comme ce qu'on voulait. C'était pas ce dont on avait besoin globalement. Donc du coup, on a patché en fait des éléments qui pour nous ne coïncidaient pas avec notre utilisation par rapport à Miasm. Et du coup, voilà. Pour okay. répondre à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bah, merci. Merci.